allons parler d'abord de comment vivre dans cette communauté. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à vivre dans cette communauté-là, nous ne pouvons pas vivre dans la grande communauté. Et il y a ce qui est là, et nous voyons, en assistant au cœur, nous allons avoir plus bon. Ça veut dire que la première communauté, là où nous devons d'abord apprendre à mieux vivre, c'est le premier lieu où nous sommes appelés à vivre cette communauté. C'est le premier aspect de ce thème, c'est vivre une vie conjugale épanouie, comportement et devoir. Vivre une vie conjugale épanouie, comportement et devoir. L'Église nous enseigne que la famille est quoi? Est l'Église domestique. Dans toute l'Église, nous avons tous une communauté de vie. Donc, on est le soleil, une église à côté de toi. Et nous, le soleil, et naïf, et nous serons. Pour avoir dit que, mais les sauvés, ou est-ce qu'on aime, mais tout le monde,
Le couple doit avoir pour fondement l'amour agapé, qui signifie amour désintéressé. Un amour profond et constant. Et le plus grand exemple, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Cet amour nous est révélé dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on dit que c'est le genre d'amour que le Saint-Esprit désire manifester dans nos vies de couple. Lorsque nous nous abandonnons complètement à Dieu, c'est un amour qui amène à l'aimer et à obéir à sa parole. Cet amour se manifeste aussi pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Les caractéristiques de ce type d'amour est bien défini dans 1 Corinthiens 13. Pour éminent pour le dire, le thème de ce jour-là, on n'a plus besoin de lui enseigner ça. Tout le monde dit, Alors, les caractéristiques de ce type d'amour, les différences sont définies dans 1 Corinthiens 16. Aimer l'autre, c'est cultiver des sentiments de bienveillance et de compassion à son égard. Quelle réponse veux-tu? Je me répondais, je
Ou bien ça ne parle pas de comportement, ou bien ne parle pas de comportement. Ça aussi, c'est bien des comportements pour le but de couper de communauté bien de par lui. Alors, aimer l'autre, c'est cultiver des sentiments de bienveillance et de compassion à son égard. Et la parole de Dieu continue. Reconnaître ses blessures à l'origine d'agissement spécial. Reconnaître ses blessures. Et c'est où est l'origine pour le monde? Dis-moi. Où est-ce que tu m'as? Où est-ce que tu m'as? Où est-ce que tu m'as? Et je suis où est-ce que tu m'as? Nous avons reçu une blessure. Je vous donne un exemple. Et à cette fois, c'est bravo. Vous voyez nos pères. C'est un peu comme ça. Et ils ont l'air. Et que
De comportement, mais vous devez savoir que chacun avait son degré de maturité. Tu commences à terminer les, garder le cœur ouvert et reconnaître que le Christ qui l'habite au-delà de ces ombres qui peuvent l'animer. Matthieu 25, verset 40. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le Seigneur dit, moi j'habite au plus profond de lui. Moi j'habite au plus profond d'elle. Et le jour du dimanche dernier, je dirais quoi? Mais j'ai été tout près de toi, Jean, tout le temps. Mais tu ne m'as pas aimé, tu m'as méprisé. Et tu diras, mais c'est comment je t'ai fait ça? Et tu dis, Seigneur, mais j'étais Jacqueline à tout le temps. Le feu éternel qui est préparé pour le bien de ses anges. Non, venez, vous me faire la pointe, la table de l'ouvert. Et il y a un peu de temps, on fout tout,
apoule pour nous garder nous mis le père c'est une insulte ton époux qui en train peut-être de se faire souffrir. Peut-être à souffrir le tabadou, le carbone, l'homme, et à situer elle, le tabadou, le carbone, l'homme, et n'est-ce qu'il y a à fond, on va continuer. Et à situer la carbone, et à situer la carbone, à l'autre, on est là, on et à quand l'autre, on est là, on va Personne n'a joué. Mais c'est un chemin de discernement. C'est Thérèse de l'enfant Jésus dit, Jésus est caché au fond de l'âme de tout homme. C'est Thérèse de l'enfant Jésus dit ça. Il a toujours, il a personne pour le commun. Pour voir, il a le personne pour le commun. C'est un grand Jésus est caché au fond de l'âme de tout homme. C'est pourquoi, dans 1 Jean 4, verset 20 au verset 21, il a dit. Si quelqu'un dit avec la si quelqu'un dit dans le Dieu, alors il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui-ci n'aime pas son frère, s'il ne voit pas comment ce qui est le Dieu qui ne voit pas. Alors, et la parole de Dieu continue, et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, il aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu, il aime aussi son frère. Et là, il me l'a mis en haut. Et quand il m'a mis en haut, et ces gens de la foi disent, vous êtes très bien, c'est maintenant que le temps de vous dire, c'est bon, on a bien. Ces gens de la foi disent, au soir de votre vie, au soir de notre vie, nous serons jugés sur la route. Ces gens, ils ont dit, bonheur, bonheur. Éduquer nos enfants dans la foi, ce n'est pas d'abord lui apprendre les choses de Dieu.
pour lui inculquer des principes moraux, même si cela aussi est nécessaire. C'est les mettre en relation avec Dieu qui les aime. Nous devons apprendre à mettre nos enfants en relation. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Et ce n'est pas fini. Deuxième chose très importante du comportement que nous devons avoir devant les enfants. Nous sommes toujours, on n'est pas encore dans ceux de la famille. On n'est pas encore dans ceux de la communauté. On est toujours de la communauté de famille. Être un témoin de l'évangile pour les enfants. Qui dit aux enfants, en nous, tu n'es le qui a dit ça. Mais ce que vous dites, c'est que tu n'es le qui a dit ça. Vous ne savez pas comme ici. En nous, tu n'es le qui a dit ça. Quand est-ce que vous nous sommes dit, 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 Donc ça veut dire que tu peux être un témoin de vie pour les enfants. Alors, je suis prêt de Alors, si je comprends bien, Allons,
Loin, il y a plein de dilos à nos yémens. Le pomme, le popo, voyons son pot. Le pomme, le poulet, le patin, patin, qu'on détend. Patin, patin, qu'on détend. Le problème ici, c'est comment vivre la correction de la télé. Comment vivre la correction de la télé. Et l'abbé Thomas Joyce dit, le frère ou la sœur qui est dans ma communauté est un don de Dieu pour mon propre cheminement. C'est-à-dire, le frère ou la sœur dans la communauté là est un don que le Seigneur t'a donné personnellement pour ton cheminement vers le ciel. C'est ça que vous comprenez, pour ton cheminement vers le ciel. Parce qu'elle va t'insulter, ou elle va t'insulter. Et la manière dont tu vas répondre est un pas vers le ciel. La manière dont tu vas nous répondre, je parle de ce qui est, moi je parle de ce que tu as. Donc, reconnaître que le frère ou la sœur, qu'elle soit remplie ou que tu sois remplie des caprices, des défauts les plus terribles de ce monde, tu dois prendre ta commune. C'est là, c'est bon. Parce que si tu arrives à tout laver, c'est ça. Mais tu peux dire, mais ceux-là, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leur robe et les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Et donc, là où je dis ça, les gens sont là avec les épreuves. Elle dit que le frère, une épreuve, est don pour toi, un don de purification. Là, c'est un don de purification pour toi. C'est ce qui ne prend pas ça comme ça. Mais vous prenez ça comme ça, vous parlez de l'amour. On a parlé de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour agapé. Quand tu n'as pas cet amour, il peut pas prendre le frère ou la soeur, rempli de caprice, de comportement bizarre dans la communauté. Vous voyez. Donc, l'abbé Jean dit que le frère ou la sœur dans la communauté est un don pour mon propre cheminement. Alors, la correction fraternelle est une démarche délicate dans la vie communautaire. Parce que l'on ne choisit pas les frères. On ne choisit pas. Mais par contre, dans le mariage, ça vient choisir, on n'a pas imposé ça. Je la connais pas. Je ne connais pas. Je la première élection. C'est que l'on ne choisit pas dans la communauté. Vous me trouvez là. Alors, la communauté, la correction fraternelle est une démarche délicate dans la vie communautaire où l'on ne choisit pas les uns les autres. Mais, qu'il s'agisse de corriger les défauts de caractère, une habitude ou de ferrer une démarche de réconciliation, l'approche est évidente. Ça veut dire quoi? Vous voyez par exemple dans notre communauté. C'est quand même, je peux parler de la communauté. Je peux parler de la communauté. Je vais vous donner des exemples. Dans la communauté. Oui. Un jour, nous avons fait une nuit des mariés. Ça, c'est un peu de ça. Un jour, nous avons fait une nuit des mariés. Pour être sûr, on a fait une nuit des mariés. Et on a rencontré dans les autres jours et soirées dans le centre de l'église. Vous savez que la boisson que vous buvez là, c'est compté. Vous l'avez expliqué.